Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2. Je vous le cache pas, je prends énormément de plaisir à jouer au Battle Royale plus que le multiplayer. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que, étant donné que j'avais quitté Warzone pendant 2 ans, revenir sur Warzone, bah bizarrement ça fait du bien. Surtout que je vous ferai une vidéo sur le multiplayer pour expliquer qu'il y a énormément de problèmes dessus. Mais en ce moment, je grind bien Warzone et franchement, bah je m'éclate à fond. Et je vais vous présenter, selon moi, les 3 meilleures classes d'armes à avoir pour réaliser vos gameplays. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification. Oui, je sais que c'est du Warzone, je sais que vous attendez à du multiplayer, mais montrez votre soutien quand même. De temps en temps, faire une petite vidéo sur Warzone, ça fait du bien. De lâcher le gros pouce bleu qui va avec. Mais avant, évidemment, je dois vous présenter quand même quelque chose. Si toi aussi t'en as marre d'affronter des gros tryhards, des personnes qui sont ultra toxiques, qui n'arrêtent pas de camper dans les corners, niveau max, qui ont les armes au niveau maximum, mais qui ne font rien pour jouer correctement et que ça sue, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant LagoFast. LagoFast est un VPN uniquement basé pour le gaming. Et cela peu importe ta plateforme de jeu, Xbox, PC, PlayStation. Il te permet de trouver des accueils beaucoup plus facilement. Mais sa particularité, c'est vraiment un VPN dédié pour justement les joueurs consoles comme moi ou comme vous. Et pour ceux qui ont plutôt de la peine de savoir comment installer un VPN sur console, il y a plein de tutoriels disponibles, autant que ça soit sur leur Discord ou via leur blog qui va vous expliquer mais tellement de choses, comment télécharger rapidement Modern Warfare 2 ou Warzone 2, comment être optimisé à mort via le VPN sur sa console de jeu. Non seulement ce VPN vous aide à trouver des meilleurs lobbies, mais en plus de ça, il vous aide au niveau de votre connexion et tout faire en sorte pour également l'optimiser à mort. Cela signifie qu'en plus d'avoir de bons lobbies, vous allez pouvoir jouer sur des très bonnes connexions sans forcément être impacté par celui-ci. Et cela même s'il y a un joueur PS4, un joueur PC et un joueur Xbox dans le même groupe. Il est désormais temps toi aussi que tu profites de la meilleure expérience FPS sans avoir un seul bug, et tout ça grâce à LagoFast. Et vous avez également une section exprès pour optimiser à mort votre PC. Alors, qu'est-ce que tu attends pour télécharger le meilleur VPN? Je vous invite à le faire tous ensemble! Avec mon lien dans la description, vous avez 30% de réduction. Donc, qu'est-ce que tu attends pour le télécharger? Le lien est dans la description, évidemment. Et pour tester LagoFast, on va commencer avec notre première classe. Alors, j'ai plus être sur le truc de latence que l'histoire du VPN parce que les serveurs n'arrêtent pas de bugger et je vois pas l'intérêt de m'infliger encore plus de problèmes de connexion qu'autre chose. Quand c'est instable, ça vaut clairement pas la peine. Donc on va rester sur les serveurs habituels, mais on va réduire le ping au maximum. Et du coup, je vais vous proposer d'abord la première arme, qui est évidemment mon AK-74U, une arme que j'ai directement jouée, que vous connaissez sur le multiplayer, que je joue avec la poignée TruTac, les munitions haute vitesse, la poignée Xten Drop, le Xten Avoc, que vous pouvez évidemment changer, mais je joue avec le canon BR-209. Et franchement, la classe, elle envoie du pâté. Et ça, tu vas le voir tout de suite. Ok. Bon, normalement, je suis plus censé avoir trop de bugs avec LagoFast. On va voir ça directement parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de jouer à Warzone avec que des bugs. Ok, premier kill. Il y a des bruits. Ouais, ce fut un fight compliqué. Je t'ai même pas entendu. Sincèrement, je t'ai même pas entendu. Tout ce que j'entends, c'est des bruits de fenêtres brisées depuis tout à l'heure. Un peu partout. Bon, ça, c'est pas plus intelligent de ma part. Ah ouais, je comprends pourquoi tu m'as mis aussi mal. Ah, la fanex, ça fait bobo. Hein. Ah, ça tire à côté. Je les ai vus. Enfin, j'en ai vu un, sûr et certain. Ok. Bon, je savais qu'il allait venir aussi. Hein. Alors, je m'attendais pas qu'il vienne d'ici, je m'attendais qu'il fasse un peu le tour. Qu'il essaye de me brain.
Mais ça a pas marché, poteau. Ah oui, c'est toi qui avais le drone. Fort sympathique cet MP5. Ok. Merci poteau. Et franchement, c'est juste magnifique de jouer sans avoir un seul bug. Tac 5. Et c'est un grand oui. Ah ouais, non, d'accord, il y a full. Oh, attends. Ah, dommage. Il est en train de se casser. Poto, t'es chiant. Je voulais du kill, moi. Et en plus, je suppose qu'il n'y a rien dans les parages en termes de... Oh là là. Tu sais quoi? J'en ai marre de courir pour rien. On va récupérer la prime. J'ai compris, t'inquiète pas. T'inquiète pas que j'ai compris. Je t'ai vu sortir de la voiture, j'ai fait ok, bon, j'ai compris. Oui. Let's go, Castov. Normalement, on a large assez de munitions comme ça. On est totalement good. Mon petit, où es-tu? Où es-tu? Éviter de sortir là comme ça. Okay. Bon, je sais où tu es maintenant. Oh, oh. Problème. Eh ouais, mon pote. Comment brain? Et voilà. Ça s'appelle avoir du brain. Un putain de cerveau, mec. On en a acheté ici? Sinon, on va galérer et essayer de trouver. C'était culotté. Franchement, t'aurais même presque mérité de gagner le fight pour ton audace. Le gros jump shot comme ça, lorsque tu sais que très clairement t'es désavantagé et une plaque en moins. C'est très 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 culotté. Oh, attendez. Yeah boy! Yeah boy! Ah oui. Oh oui. Oh, viens ici. Bon, faut juste lui coller quelques balles et c'est fini, hein. Viens ici. Attention, le drone quitte la zone. Je sais pas où tu es. Let's go. Ouf, ouf, ouf. Merci les munitions. Let's go. Et aussi merci ma manette, je peux enfin slide. Ça m'a sauvé la vie, le slide. Par contre, c'est dommage qu'on peut plus acheter un drone, quoi. Bon, quoique, j'ai pas assez. Oh, et je l'aurais eu à cette distance.
ça aurait été magnifique. C'est un peu frustrant en fait, j'arrête pas de courir. Essaye de voir si par hasard il manque quelqu'un à l'appel au niveau des zones. Même si ça m'étonnerait très fortement. Surtout que je dois aller à la pire des zones maintenant. De l'autre côté, il y a un sniper qui nous attend. Est-ce qu'on n'attendrait pas un mec à côté d'un colis? Ça fait un peu cancer quand même. Même très cancer. Et bon, si je le prends, je me fais vachement repérer aussi. Oh, tellement de choix, tellement de possibilités. Quand je disais. Ok. Merci, une munition à pouvoir d'arrêt. Hein. Il y a un mec qui a drop là, juste à l'instant. Mais bon, jouons un peu la sécurité. Parce que maintenant, les gens vont s'amuser un peu à camper. Ok. On a essayé d'être le plus discret que possible. Ok. 14. On va se barrer. Oh gros, genre tu vas faire ça H24? Oh, t'as une de ces gueules, je te dis pas. T'as une de ces gueules. Oh là 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 là. J'aurais pu partir, mais tellement loin. A few moments later. Et let's go, top 1. Ah, fallait jouer juste un peu intelligemment. Pour la Scarache, enfin bref, la TAC 56, peu importe son terme, chargeur de 60 cartouches, munitions, vitesse 556, la poignée démo, Ecoless 80 et le canot Tundra Pro 17.5. Lors du gameplay, je vais jouer avec le VLK. J'ai essayé à la place de la poignée pour voir, ça bouge un peu plus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? J'ai pas trop l'impression, je préfère jouer quand même avec une poignée sur la Scarache. Venir. Non. Pourquoi j'ai un bug du son? Voilà, merci. Je me dis qu'il y a un problème depuis tout à l'heure. Ah ouais, ça va se la donner vraiment comme ça. En plus, ça volait ma prime en fleur. C'est passé de peu là. Non. La véritable question, c'est où est-ce que t'es parti maintenant? Ah, c'est toi qui t'as... Ah non, c'est pas toi. Par contre, on dit pas non à ça. On dit pas non. C'est gentil. J'aime ce genre de friki. Heureusement qu'il m'a pas vu lui. Il aurait pu m'avoir, mais alors... plein de fois.
commence à être un poil le bordel là. Attention, le drone quitte la zone. Ah c'est bien, je suis brouillé à H24 en fait. Ok, il est parti au top. Pardon ? Genre, pardon ? Pardon ? Tiens, en voilà un autre ! À terre ! D'accord. Genre, c'est définition d'un script. Pas beaucoup la vie, hein. Ok, broc. Eh ben, ce fut compliqué comme goulag, hein. Je sais que t'es en train de me chercher depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as essayé de faire là? Double frappe de mortier. C'est cool ça. Attends, on va espérer qu'il y a des mecs qui sortent de la ville. Attends, c'est un bot? Ah non, c'est pas un bot. Un mec a abandonné. Alors lui, il a la... Drone explosif ennemi dans la zone.
c'est le top 1. C'est le top 1, 14 kills. Et pour terminer, mon petit coup de cœur, même mon grand coup de cœur, la STB que je joue ainsi, il mérite quelques, peut-être quelques modifications à l'heure actuelle, mais on la joue ainsi, je surkiffe grave parce qu'au corps à corps, c'est des gros coups de laser. Cronan Minicro, Cross Bruen, appui F-TAC C11 et le chargeur 42 cartouches avec le Hardbinger D20 qui est un silencieux. Vous allez voir, c'est également une totale dinguerie avec cette arme-là. D'ailleurs, si c'est toujours pas le cas, n'oublie pas de lâcher le gros pouce bleu et de t'abonner. On s'avance. C'est quand tu veux pour mourir. Ouais, faut arrêter de déconner un moment. On a marqué votre cible. Éliminez-les. Eh oui. À un moment donné, t'arrêtes pas de me traquer aussi, donc... Seigneur, qu'est-ce que tu fais là aussi? Ils sont en train de se tirer dessus. On peut vite aller les choper. Fini. Je demande une reconnaissance immédiate. Bien reçu. Le drone survole la zone des opérations. On va très vite se barrer. Mais un au top, un à ma hauteur. En fait, il est vraiment à ma hauteur ou... Ok. Merci la STB. Et voilà. Et on a 12K. D'ailleurs, on va aller récupérer son loot en fait. Je me casse, mais j'ai oublié de récupérer son loot. J'ai trop l'habitude de Warzone 1 faire le kill, me paraît. En espérant toutefois être récompensé sur le shop. En espérant que personne n'a pris le drone. Mais il y a encore l'allemand dans le coin. Largage tactique allié imminent. Je t'avoue qu'il m'a fait un peu peur là. Je vous avoue que là il m'a fait un peu peur. Je
entendu. Toi t'es mort. Oh, toujours pas un kit d'autoréa. On est focus, hein. Il me faut le sac, il me faut le sac. Mais gros, je veux le sac depuis 3 heures! Oh non, dommage. On était quoi, 14 kills de nouveau? Dommage. Je suis mort juste à cause du sac, hein, c'est... Attends, c'était le dernier? Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like, et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.